Eh ben, le salut du lever des bisous, les amis. Oui, c'est Alex NCN, alias le Don Alès, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur Twitch et sur Kick. Mon pseudo de chaîne YouTube, c'est Alex NCN, c'est mon ancien pseudo Twitch d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu en haut à droite, pour le dernier épisode de Sentence, la fin de notre aventure SMS interactive, évidemment, ce qui permet de nous dire que aujourd'hui, on est enfin sur une fin de let's play de ce côté-là. Il reste encore les Sims, il reste encore Alice Madness Return, l'aventure de Pokémon sur Minecraft. Toutes ces aventures-là, c'est des aventures qu'il y aura en attendant l'arrivée de Zelda Tears of the Kingdom. Évidemment, si je finis toutes ces aventures avant, ça se pourrait. Eh bien, évidemment, on fera une petite aventure en parallèle, évidemment. Le temps d'avoir Zelda Tears of the Kingdom qui sort le 12 mai. On est parti. On va du coup rejoindre Michael pour la fin. Hop. Alors, du coup, Allison et Michael. Ah ben, ils se parlent du coup. Alors, pour résumer l'histoire, Michael est notre ami et qui a sorti avec notre fille d'ailleurs, notre fille qui est jeune adulte, voilà. Notre fille s'est fait kidnapper par un tueur au final qui s'appelait Harley. Le tueur, il a été manipulé par un certain Sam Feld, je sais plus quoi, là, Sam Fold, qui était un grand psychopathe. Voilà, en fait, c'est eux qui kidnappaient nos filles, enfin nos filles, à tous dans ce village, voilà. Et il ne m'aimait pas, il avait une dette contre moi parce qu'en fait j'avais fait quelque chose par rapport à un membre de sa famille et il n'a pas supporté ça, donc il voulait se venger, etc. Voilà, tout ça était lié à moi au final, comme prévu. Bah écoutez, je vous propose de démarrer tout ça. Donc on va voir ce que nous dit Michael à Allison. Je sais bien que tu as besoin d'un peu de temps, mais de me dire que tu me vois comme un monstre sans cœur, cela m'est insupportable. Que veux-tu que je te dise? Ah oui, parce que ah oui, on a appris que Michael avait tué sa maman, enfin il a laissé sa maman mourir, voilà. Je ne sais pas, mais j'aimerais que tu comprennes qu'à l'époque j'étais fou. Voilà. Je rappelle que c'est un jeu fictif, tout ça, et pas inspiré forcément des faits réels. Sur le coup, c'est du fictif, voilà. J'ai fait une terrible erreur qui me hantera pour le restant de mes jours. Tu me connais, tu as vécu avec moi. En raisonnant de manière rationnelle, je peux comprendre, mais comment vivre avec ça? Comment être avec toi? Comme si de rien n'était. Ah, ça c'est chiant les petites annonces YouTube. Je vais enlever toutes les notifications sur le téléphone. Je vais tout enlever. Tout ce qui est sur le téléphone, je ne veux plus. Parce qu'en vrai, ça nique l'immersion. Je t'aime. Je suis le même Michael, celui que tu connais. À cette époque, j'étais atteint de troubles mentaux. Tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai vécu. Je t'en supplie. Ne me mets pas la pression. Je me sens suffisamment mal comme ça. Je suis désolé. Voilà, notre fille est vraiment énervée envers Michael. Officiel. Mais sache que je serai là et que je t'attendrai. Évidemment. Et elle va lui dire, ok. Ah oui. Ouh. Ouh. La discussion froide. Hein. Alors ensuite, Hélène, notre amie journaliste. Alors qu'est-ce qu'elle va nous dire? Félicitations. Ouh, j'aime bien, c'est un bon début. Bon, on va continuer de veiller à mon téléphone parce que ça bug. Hop. Ok, félicitations. J'ai appris que le juge avait abandonné les poursuites contre vous. Je suis désolé de ne pas avoir été là. Oh, bah écoutez-moi, écoutez, on va tout faire par téléphone, ça va être plus simple. Bah GG, tout ça. Que diriez-vous d'un dîner? Oui, c'est ce qu'on veut. Que diriez-vous d'un dîner, Hélène? J'ai une grande nouvelle. Ok. Il y avait une grande nouvelle. Bon, bah, tant mieux. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Grâce à mes articles exclusifs sur ces meurtres, j'ai eu un appel de chaîne de télévision très populaire. Il me propose un poste à New York. Eh bien, elle se met bien la petite Hélène. Hein? Et ben voilà, bah, du coup, elle va partir de loin de chez moi. C'est une bonne nouvelle. Voilà, celle que je voulais que pour vous. Oh, oui, c'est ce que je voulais, Henri. Dis-lui les termes. Dis-lui que tu avais un petit crush sur elle. Voilà, on avait compris ça. Henri, on avait compris qu'elle était sur ses côtes. Hein. Je sais que j'avais dit de ne pas vouloir y retourner, mais c'est de la chance de ma vie. Si c'est ce que vous souhaitez, vous devez accepter. Évidemment, je suis encore avec Henri sur le coup. L'opportunité avant le relationnel. En plus, on n'a pas de relation, on n'a rien, on est juste proche. Mais voilà, point. Donc, en fait, elle n'a pas bien fait de ne pas avoir commencé une relation ou quoi. Eh ben, ce n'est pas si simple. Vous voyez ce que je veux dire. Ça vous dirait de venir avec moi? Il n'y a rien qui vous retient ici désormais. Ma fille, Allison va partir. Ah oui, ça, elle va partir. Personne va probablement finir sous les verrous et on me demande de retravailler pour les forces de l'ordre. Ah, donc ils vont vraiment se séparer comme ça, il n'y a pas de petit crush, rien. C'est terminado leur relation à tous les deux là.
Ah, dommage. Avec votre expérience et vu du et au vu du brio avec lequel vous avez résolu cette affaire, vous n'auriez aucun mal à trouver du travail. C'est vrai. Je suis un bon enquêteur. Je peux vous aider, j'ai tout un réseau là-bas. Ce n'est pas le problème. Abandonner peut-être, c'est vrai qu'on va abandonner Zavatsky, notre meilleur ami. Je n'aime pas les grandes villes, je me sens bien ici. Ah, je sens que c'est une fin d'histoire entre Hélène et Henri. Dans un cadre calme et paisible, à proximité de la nature. Mais si un joueur revient en ville, je pense qu'il va avoir un truc avec Henri. Henri, il n'est pas célibataire à vie. Je me fais vieux, à l'évidence. Oh, arrête. Arrête, Henri. Arrête. T'as quel âge? 45? 40 ans? Encore. T'as encore un peu de temps devant toi. Et si je vous demande de le faire pour moi? Alors, on a un truc caché et les vieilles habitudes ont la vie dure. Et là, il écrit. Ça vaut peut-être le coup, bien sûr. Allez, Henri. Celui-là. Suis Hélène. Vivez une vie heureuse. Heureuse, heureux, tout ce que vous voulez, au singulier, au pluriel, masculin, féminin, le pronom, tout ce que vous voulez. Allez, ça va être génial, vous allez adorer New York. Et si on parlait de ce soir autour d'un dîner? Oui, bon, en fait, et si on fait l'amour avant de partir ensemble en amoureux, quoi, en gros. Et si on officialise tout ça en faisant des bébés, quoi. Voilà. Parfait, chez moi à 19h. Ok. Je rigole, évidemment, attention. On s'amuse. Très bien. Donc là. Discussion avec Hélène, on verra plus tard. Notre ex Mélanie, Allison part demain. Ah ben. Voilà. Je l'ai pas vu ma fille. Hein. Je l'ai pas vu depuis qu'elle est revenue du coup. J'espère qu'elle a fait les bons choix cette fois. J'aime à croire que oui. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. C'est voilà, tant qu'elle est heureuse. Moi ce que je veux, c'est qu'elle profite de sa vie. C'est ma fille. On est tous sur ses côtes H24. Laisse-la vivre un petit peu. Moi, j'ai un enfant, je la laisse quand même vivre. Voilà, je la surveille de loin, mais voilà, je la laisse vivre un petit peu, c'est bon. Elle est jeune, elle n'est pas là pour être en cage. La bonne nouvelle, c'est que Michael et elle ont enfin rompu. Tu ne devrais pas raisonner de la sorte. Michael est un chic type, et cela me soulage également. Il m'a grave aidé pendant l'enquête. Je ne peux pas dire le contraire. Il m'a grave aidé pendant l'enquête, c'est quelqu'un de bien. Sans lui, on n'aurait pas fait tout ça. Non, vraiment, je suis obligé de le défendre. Je suis désolé, je suis obligé de le défendre face à Mélanie. Je peux pas le tailler. Elle oubliera vite quand elle sera à New York. Les jeunes ont la mémoire courte. Comment vas-tu? Bah, ça va, et toi? La discussion qui n'a aucun sens parce qu'elle et moi, on est en froid tout le jeu. Et là, à la fin, elle me pose des questions sur moi. Et comment as-tu réussi à me cacher toute cette histoire? Tu t'es accusé de meurtre et assigné à résidence. Je n'arrive toujours pas à y croire. Enfin, tout roule à présent. Voilà! Voilà, Henri. Henri, c'est ce qu'il faut lui dire. Il faut la rassurer, il faut rassurer les gens, leur dire qu'il faut arrêter de me faire chier. J'ai une grande nouvelle, j'ai décidé de déménager à New York. Donc, je ne vis pas avec une journaliste, etc. Parce qu'elle va dire, c'est qui elle encore? Ah. Toi, New York, Allison m'a raconté pour Hélène, je suis ravi pour toi. Ah ouais, la balance. Mais quoi, c'est ça? Elle a Pookie parce que Michael lui a Pookie, je suis sûr. Michael, il a tout Pookie, quoi. Même si je me souviens que tu avais refusé de déménager pour moi à l'époque. Enfin, tout ça c'est du passé, de l'eau a coulé sous les ponts. Ben, l'eau coule tous les jours sous les ponts en fait. C'est pas de l'eau a coulé sous les ponts depuis et ça a toujours coulé sous les ponts. Mauvaise métaphore, meuf. Ok, en parlant de passé, j'ai fait le ménage de fond en comble hier et j'ai retrouvé nos vieilles photos. C'est fou comme le temps passe. Cette mièvrerie, c'est un signe que tu vieillis. Ouh. Dis-lui les termes, mon Henri, dis-lui qu'elle est vieille. Voilà, c'est pour un petit peu rigoler entre nous. Voilà. J'ai 45 ans et la vie devant moi, c'est toi qui ne sors jamais de la maison, espèce de vieux schnock. Oula, elle veut qu'on se bagarre, elle. Tu veux quoi là? Hop, hop. C'est comme ça que tu avais l'habitude de m'appeler. Trois petits points. Ah, les deux là, il faut rire. Qu'est-ce qu'il écrit? Ne t'imagine pas que j'ai bien vécu de notre divorce. Ellipse. Ellipse. Ok. Tu sais que j'ai vraiment cru que tu étais mon âme sœur et que nous allions passer notre vie ensemble. Au début, Diego n'était qu'une passade qui me permettait de tourner la page plus facilement. Pardon d'avoir fait passer le travail avant toi. Et pardon. 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 Voilà. Pardon. Tu pardonnes. Voilà, fin de l'histoire. On fait autre chose. Voilà. Nous avions tous les deux nos problèmes. Oui, voilà. Et puis la vie a fait que, hein. C'est comme ça. On a tous des ex et voilà, on a tous passé à autre chose, on est tous dans la relance de la vie. Tu fais partie de ma vie, nous sommes restés proches et nous avons une fille formidable, ça pourrait être pire. Je suis bien ok, d'accord, of course.
Ok. Ensuite, fin de la discussion. On va espionner Michael et Agnès, peut-être la fin de l'amitié entre eux aussi, je ne sais pas. Alors, on va voir ce qui se passe entre Michael et Agnès. Hop. Tu as littéralement disparu, tout va bien. Ah ouais, d'accord, tu lui as mis carrément un ghost total à Agnès, quoi. C'est gentil, hein, Michael. C'est ton crush, c'est ton nouveau crush, vas-y, ils sortent ensemble. Pardon, je n'ai vraiment pas le moral, voilà tout. Je ne suis pas de bonne compagnie. J'ai cru comprendre qu'Alison est partie. C'est pour ça. Voilà, mais montre-lui pas que t'es énervé, montre-lui que t'as envie de passer avec du temps avec une fille qui s'intéresse à toi, quoi. En grande partie, oui. J'ai l'impression de ne plus rien, que plus rien n'a de sens. Je n'ai plus envie de rien. Ça y est, il déprime. Michael a fini son histoire dans le jeu, il déprime maintenant. Ce n'est certainement pas la première fois qu'on te le dit. Ok. Mais tu as juste besoin d'un peu de temps. Voilà. On a tous un jour, à un moment donné, il y a un truc qui nous arrive, on a le moral dans nos chaussettes, mais c'est pas la fin. Demain, ça ira mieux, Michael. Voilà. Je sais à quel point c'est cliché comme conseil, mais c'est tout ce que je peux te dire. Comment ça va de ton côté? Voilà, demande-lui des nouvelles, ça c'est bien ça. J'ai décidé de ne plus voir mes parents et ça me réussit. Après, ce qui s'est passé avec Bella, Green, je peux comprendre Agnès, hein. Sa sœur qui s'est fait tuer par ce méchant Harley et ce Fold là. Je travaille toujours au bar, mais en parallèle, j'essaie de suivre une formation marketing en ligne. Le plus important, c'est de tenir bon. Je fais toujours les choses à moitié. Je vois, il te faut une sorte de plan. Ça te plaît? Je ne sais pas encore. Ouais, encore au début, elle découvre et tout. Je comprends. Disons que c'est un galop d'essai. Ok. Tu disais que tu voulais rejoindre l'école de police. Tu te prépares pour les tests d'entrée. Il va aller à la police après tout ce qu'il a fait. Sérieux? Je crois que je voulais juste partir pour Allison. Et là, il veut plus. Ah ouais, mec, mais il faut laisser le temps à ma fille hein, de réfléchir dans les années qui viennent à ce qu'elle veut faire. Voilà. Faut lui laisser le temps. Alors, mais à présent, je ne sais plus vraiment ce que je souhaite. Je vais peut-être m'installer ici comme détective privé. Et tu voulais reprendre les études. Je sais que ce n'était pas uniquement pour faire plaisir à Allison. Mais pour toi-même aussi, Michael, tu voulais te faire du bien. Ton visage s'éclairait quand tu parlais de l'école de police. Ah, en mode il était hypé de ouf et il était content quoi. Tu dois te fixer un objectif, je vais t'aider à te changer les idées. Je ne sais pas. Et Agnès, elle te propose limite une collab, vas-y. Allons à la crique, là où nous sommes allés à la dernière fois, tu as besoin de changer d'air. Il fait froid et humide ces jours-ci. Allons au revolver. Tu sais y aller? Évidemment. À 22h. On est en train d'assister juste à une romance entre deux personnes, quoi. C'est génial, hein, Henri, d'observer deux jeunes tourtereaux qui se draguent. Ok, Hélène. Hélène et les garçons. Alors, elle a quoi nous dire, elle? Hélène et les garçons. Je suis folle de joie que vous acceptiez de déménager à New York. Je dirais pas que je suis fou de joie. Attends, la meuf, elle te propose de la suivre à New York. Ouais, non, c'est bon. Rien que ça, Dieu, tu sais qu'il y a un truc. Voilà. Elle dirait pas ça à un inconnu. Je sais. Ça me touche que vous le fassiez pour moi. Vous, arrêtez de vous voyer. Tutoie-moi. Si vous décidiez de revenir, je le comprendrais tout à fait. Comme vous le savez, on m'a demandé de retravailler pour les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce que tu. Mais t'es assez total, mec. T'es à contre ton camp. Tu m'as dit justement que tu voulais partir à New York. Et là, maintenant, tu veux plus partir. Oui, vous me l'avez dit. Je leur ai dit qu'ils auraient ma réponse dans un mois. Ah non, on va pas attendre un mois. Elle veut partir demain, elle. Elle est motivée, elle, c'est je pars demain, quoi. Disons que c'est un galop d'essai. C'est moral. C'est normal, pardon. Vous savez que je ne peux rien vous promettre. Oui, voilà. Pas faire de promesse, qu'on ne tiendra pas. Vaut mieux hésiter que décider. Évidemment. Ok. Mon chef, celui à qui je dois mon renvoi, est maintenant à deux doigts de pleurer et m'implore de rester, avec mon propre bureau et un meilleur salaire. Mais vous avez démissionné. Oh non, reste. Oh non, finalement personne va à New York? Vous restez tous là? Je comprends plus rien, moi, il faut se décider. Hein. Absolument. Chez moi ce soir? Et arrête de me vouvoyer, s'il te plaît. Tu le tutoies maintenant. Oh là là, c'est n'importe quoi, ils se vouvoient là comme des. Comme des enfants. Ah, Zavatsky, il est là! Félicitations, tu es un homme libre. Merci pour ton aide. Merci, merci pour ton aide. Il va quand même aider, hein. Zavatsky, il l'a accusé pendant longtemps. Je suis désolé, Zavatsky. Je pensais que c'était un jeu où on te montrait le tueur dans le jeu au fil de l'aventure et qu'à la fin, tu disais, ah, on l'a rencontré le tueur, etc.
Pas dans ce jeu-là, en tout cas. Pas forcément dans tous les jeux, d'ailleurs. SMS interactive. Regardez les jeux SMS interactive, ils se ressemblent pas tous. Ils sont un peu plus différents chacun d'entre eux, c'est ça qui est cool. Je suppose que tu es au courant que Tillerson a été viré et va probablement se retrouver en prison. Oh que oui, j'en ai des crampes à force de sourire. S'il finit vraiment derrière les barreaux, je te paye une bière. Allez! Voilà, un peu d'humour. Méchant, mais c'est humour. Voilà. C'est méchant, mais c'est de l'humour. Voilà, moi je kiffe. Que vas-tu faire à présent? La grande question. Est-ce que je suis Hélène ou est-ce que je reste ici? Revenez parmi nous! Je ne crois pas, non. Et suivre Hélène, ma future copine, je pense, ma future petite amie. Ah bon? Et pourquoi? Non, pas la personne, mais il se pourrait que je déménage à New York. Ça y est, il est hype. Lui, c'est une NY sur la casquette et il est chaud. Il est très très chaud, Henri, là. Ça y est, il va faire de la police. Et il va s'aider d'une journaliste qui sera Hélène. Ce sera un bon duo. En voilà une nouvelle. Je parie qu'il y a une femme derrière tout ça. Viens dîner chez moi ce soir. Ah non, lui, il propose ça? Tracy prépare un bon steak. Et tu me raconteras tout en détail. Eh non, ce soir je fais pas. Tout le monde veut me voir ce soir. J'ai l'impression que ça, je suis trop demandé. Au début, tout le monde me rejetait comme la peste. Et là, à la fin du jeu, tout le monde veut discuter avec moi. Mais en fait, là, c'est que du blabla, en fait, là. Ça se finit quand le blabla, là? Il y a une fin à tout ça, là? C'est une outro, là, ou c'est pas une outro? Mon avocat, il va me parler, au fait. Vous pensez que mon avocat, il va envoyer un message? Non, Michael, tout court. Bon. On va en finir avec Michael. Salut. Salut Michael. J'essaie de te joindre. Ok. Salut Henri. Désolé, mais je n'ai envie de parler à personne en ce moment. À personne ou juste pas à moi. Qu'aurais-tu faire? C'est ma fille. Eh ouais. C'est ma fille, frère. Je suis désolé de te dire ça, mais je protège ma fille. Il faut lui dire la vérité, ne te blâme pas. C'est juste que je traverse une période difficile. Je ne veux pas que tu t'éloignes de moi, on s'en fout de ça. Toutes mes décisions ont des conséquences. Et oui, voilà. À un moment donné, il faut dire les termes. C'est pour te faire raisonner que des fois, faut dire la vérité aux gens. Comment va Alison? D'après toi, elle va bien. T'imagines? Ben d'après toi, elle va comment? Ben elle va bien en fait. Je dois partir. Je vous ai toujours protégé, Alissa et toi, et je continuerai à le faire. Je ne suis pas ton ennemi. Ouais, on va dire ça quand même. Voilà. Toi, je te protège de toi-même, et Alissa, je la protège de problèmes avec toi que tu ne lui aurais pas dit et qu'elle l'apprend dans 10 ans, quoi. J'ai juste besoin d'être un peu seul. Ok, je ne vais pas te mettre davantage de pression. Voilà. Bon bah je pense que l'histoire avec tous les personnages va bientôt se terminer. Je vois pas, il reste peut-être l'avocat. Et après je pense qu'on est sur le final. Ok, l'avocat peut-être. Oh, du blabla, du blabla. J'ai passé un bon moment hier, merci pour tout. Voilà, là c'est le blabla. Là on va avoir beaucoup de blabla pour l'épisode final. Je me suis endormi avec mes vêtements et mes chaussures. Bah ok, j'ai pas envie de savoir les détails mais bon. Merci d'avoir patiemment écouté toutes mes jérémiades. Je comprends pourquoi tu as bu autant. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez aussi, des fois il y a des bruits de grisonnement. N'oublie pas que je bosse dans un bar. Après 2 ans passés à faire ce travail, on devrait me décerner une licence en psychologie. Tu as raison concernant l'école de police. Il faut au moins que je tente le coup. Je pourrais toujours revenir ici. Voilà. Rien t'oblige de revenir là où tu habitais avant. Enfin, avec un peu d'effort, quoi. Et j'aurai quelqu'un à qui rendre visite le week-end. C'est un bon point, un bon rapport entre les deux. Voilà, allez, ellipse. Ok, bon voilà. Alors, quand vais-je faire la connaissance de ta sœur? Désolé, mais j'aimerais rester un peu seul. Pas de souci, envoie-moi un message quand tu veux. Merci. Et ben, je crois que c'est la fin. Sentence! Ta-da-da-da-da-da! C'est la fin du jeu! Ça y est, l'outro. L'outro. Bon, bah écoutez, je vais vous dire ce que je pense du jeu. Sincèrement, c'était bien. Il y a eu beaucoup de blabla. Bon, si je vais lui mettre une note sur 20, moi je mets une note sur 20, pas sur 10, je lui mettrai 7 sur 20. C'est quand même gentil. C'était quand même une belle note. Parce que j'ai bien aimé l'intrigue. Alors non, je mettrai 15 sur 20. Je vais l'expliquer pourquoi. J'ai bien aimé l'intrigue.
Le scénario était bien, il était sympathique, j'ai bien aimé où ça nous a amené, où ça nous a ficelé au fil de l'histoire. Les personnages sont charismatiques, tout est charismatique, tout est bien qui finit bien, comme on dit à la fin, c'est une belle fin, une good ending, comme on appelle ça. Il y a la bad ending, la good ending, et il y a la secret ending souvent. En fait, il y a la meilleure fin, la fin secrète, la bad ending, voilà, il y a souvent des endings différents. En fonction des jeux et des aventures. Et ben j'ai bien aimé. Les personnages ils sont la plupart, certains pas attachants, d'autres oui. Je pense, voilà, Michael est attachant. Et voilà. Et Hélène aussi un petit peu, mais les autres personnages sont un petit peu en arrière-plan, etc. Mais les mini-jeux, ça enlève, genre, ça casse un peu le délire du jeu. Voilà. Les mini-jeux, souvent, ça m'a cassé les délires. C'est ce qui m'a donné envie d'arrêter plusieurs reprises. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des sentences. Un jeu à SMS interactive. Le petit j'aime si vous avez kiffé l'aventure, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des jeux SMS interactifs en 2024. Je pense qu'on en refera une. Voilà, si je suis sur YouTube encore d'ici là. On repartira sur une nouvelle aventure à SMS interactive ou peut-être, je sais pas quand, peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller checker les autres épisodes que vous n'avez pas vus de cette vidéo si vous arrivez sur la fin. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de ma chaîne et si jamais vous voulez avoir les nouvelles sorties, il y a la cloche de notification qui vous permet en haut à droite de votre chaîne YouTube. Si vous êtes sur téléphone, si vous êtes sur PC, normalement vous avez une cloche, vous cliquez, vous voyez Alex a sorti une vidéo récemment. Ça me fait plaisir, ça permet de voir les vidéos qui sont sorties récemment, c'est cool. Et l'abonnement qui me soutient, qui me fait plaisir et au bout d'un certain nombre d'abonnés, souvent je dis 1000 mais on verra que c'est un petit peu moins ou... Hein. Si je suis pas là ou 1000 près, on verra pour que je prépare tout ça. J'essaie de vous préparer une intro et une outro. Voilà, prenez soin de vous, du j'aime, du bisou. C'était Sentence, l'aventure SMS interactive avec Alex NCN. Et dans la description, vous avez les autres chaînes pour les lives. Profitez-en et tous les autres liens qui concernent Instant Gaming, etc. N'hésitez pas à les checker. On repartira sur d'autres aventures. Il y a d'autres aventures en cours actuellement, vous inquiétez pas. Il y a toujours une aventure qui est en cours. Prenez soin de vous. C'était le Don Alex, Alex NCN sur YouTube. Ciao tout le monde! Et à très vite pour une autre aventure.